Voilà, on va reprendre. Ah, je vois discussion. Tiens, il y a eu un changement de catégorie, j'ai pas fait gaffe. Merci si c'est la modération qui l'a fait. Coucou. Voilà, ok. Tes clac, clac, clac. Comme ça, normalement, ça devrait être bon. J'ai déjà joué. Oui, une scène de ton propos de manière totalement détachée, du coup j'ai pas compris, j'ai déjà joué. Non, je me trompe, je voulais relancer le jeu. Bon. Ah, vaisselier. Hop là. Le conseiller ne sait plus où donner de la tête. La vraie menace est au sud. Oui, j'avais déjà parlé à madame. Parler au capitaine qui ne doit pas être très loin. Suite de mes aventures folles. Mais revoilà, je suis de retour. Oui, toi aussi, mon cher Dragon Sky. Nickel. Attendez, il est là. Allez, hop, c'est reparti. Mince. Ah, le capitaine. Qu'est-ce qu'il me fait, le machin Non, je veux pas ça, non. Si vous avez besoin d'aide, allez trouver l'un des gardes. Ah, secours! Je le conseiller Iris m'a envoyé poser des questions sur l'enquête destinée pour retrouver sa fille. Vous devez être un indépendant. Bon, en cas si le réseau est saute, j'ai le relais 4G qui prend la maison. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Veya a fait une fuite. C'est mon réseau qui saute à nouveau. J'espère que vous réussirez là où mes troupes ont échoué. S'il arrivait du coup, t'as parlé au gars, donc c'est bon. Comme moi, donc tu vas ressortir aussi. On dirait que l'affaire prend un tour personnel. Je connais la famille Raylette depuis mon enfance. Ah, t'es encore dans la maison ? Comme une sœur non. Pour moi, et en extérieur, je parle au garde, au capitaine. Pour la ramener chez elle saine et sauve. Quitte à me fier à un étranger. Nous pensons que ses amis pourraient nous renseigner, mais ils nous échappent à chaque fois. Oui, c'est facile de savoir ce que je vois, parce que t'as la couronne. Peut-être que ses amis seraient moins suspicieux si c'est moi qui les approche. Peut-être, tant que vous gardez vos distances. Ils se sont échangés des messages ces derniers temps. Je pense que ça a un rapport avec Veya, mais il continue d'échapper à mes gardes. Ah, elle est jolie, dame, cherchez une réunion de l'autre côté de la ville et tâchez de suivre l'itinéraire de ce message. Ah, je vais voir si je peux suivre le message. Le conseiller Iris m'a envoyé poser des questions sur l'enquête destinée à retrouver sa fille. Gardez vos distances. Il suffit de repérer celui qui porte le message et de le suivre jusqu'à celui qui reçoit ces messages. Voilà la clé pour retrouver Veya. Si vous n'y arrivez pas, pas d'inquiétude. La maison pourra s'en charger. Alors dites-moi en plus sur la victime, Veya. Vous voulez que l'affaire prend un tour Veya personnel. Est une guerrière née, obstinée, tenace et têtue comme une mule. Elle sait se battre comme un etch enragé. J'ai essayé plusieurs fois de lui faire rejoindre la milice, mais elle a toujours refusé. Parlez-moi de la dispute de Veya avec son père. Ce n'est pas à moi d'en parler. Que ses amis sont moins suspicieux, si le conseiller Eric c'est moi qui les approche. Ne désire pas discuter de leurs problèmes familiaux récents. Vous n'aurez qu'à demander à Veya si et quand vous la retrouverez. Parlez-moi encore de ces messages dont vous voulez que je suive. Nous avons remarqué que des groupes de jeunes elfes noirs se rassemblent dans certains quartiers. L'une de mes gardes les a chaque fois que je ne pense pas à remettre la chaussure, mais ils se sont séparés et elle les a perdus dans les ruelles. Ça, c'est parce que tu es toujours à côté de tes pompes, mon cher Dragon Sky. Tu m'as offert celle-là aussi. Si je peux faire suivre le message. Que disait ce message à votre avis? Il s'agissait peut-être d'un poème d'amour ou d'un cocktail à la crème de Quama, mais je soupçonne plutôt que c'est le moyen par lequel Veya se tient au courant des événements. Ce ne sera peut-être rien, mais le message pourrait nous aider à trouver Veya.
Oh, j'ai un problème avec mon oreille, c'est chiant, ça me démange entre les poils et... Excusez-moi du peu, hein. Ce qu'il y a dans la cage à miel, là, avec mes oreillettes, c'est une horreur. Pardon. Ça me rend fou. Suivez les amis de Prout-Prout. En effet, je voudrais parler de votre père. Vois-tu. Votre père va bien, il s'est disputé avec votre frère. La maison Telvanni a encore des esclaves ? Comment voulez-vous que ces fainéants de mages accomplissent quoi que ce soit, sinon ? Et le pacte ? La maison Telvanni. On dit s'espionner aux amis de Villa. Oh, les marchands ! On me dit quelque chose de nouveau, le responsable de la guide des mages ? Je suis toujours heureux de voir un j'ai l'impression que j'ai des épiotes de lag. Votre quête de connaissance se déroule bien ? Oh, je t'ai début. On apprend. Non, mais des épiotes lag sur le stream. Je précise. Chez moi. Je vois qu'il n'y a pas de perte au réseau. Ça fait bizarre. Ouais, je vais vous laisser de la vocale. Je vais rester sur le live, mais je vais me déconnecter. Ok, à plus, Nash. Merci d'avoir été là. Non, rien. À plus. Oh là là, il y a des choses à faire. Attends. Entrer dans le palais du Vivec. Ouais. Ah non, c'est trop tard, je crois qu'il faut le faire dans la minute. Le fait de gérer la bombinette. Oui, il y avait la mine qui était étrange. Oh la vache. Ok, c'est beau. Attendez, il y aurait des trucs par là-bas. Lui. Lui sera le copain de la nana, c'est ça ? Mais je peux directement lui adresser la parole sans que ce soit un risque. J'avais donc raison. Vous êtes un spadassin. Excellent. Je m'appelle Malur Retan, de la maison Laalu. Et j'ai une proposition pour vous. J'ai besoin que quelqu'un enquête sur ce qui se passe dans la mine d'ébonite de Vassir d'Idanat. Mais quel est le problème ? J'ai piqué votre intérêt. Parfait. Mon frère Bénard et moi-même partageons la propriété d'une mine, mais je le suspecte de me cacher quelque chose. Cette petite belette en a même barré l'entrée. Seuls ses gardes personnels y sont autorisés. Ah, j'ai pas un récit. T'as pas réussi. Je vais le courir sans être vu. Ouais. Ah merde. J'ai échoué sur une quête. Oui, d'infiltration, ouais. Mais pas de bol. Ceux qui m'a distribué la quête, il m'a dit si tu réussis pas, c'est pas grave, la maison peut s'en charger. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Je vais me battre toute la journée avec cette fenêtre ou la porte, je sais rien. Punaise. Non, ce qui est dangereux sur le fait de se battre avec une fenêtre, c'est toi. Il faudrait pas que tu finisses sur le carreau. Tu me l'as offert sur un plateau. Saloperie de porte, t'as fini ? T'en veux beaucoup à ton mobilier là, c'est. Eh bien, dis donc, clenchez-moi tout ça, foi de Lorrain.
Bon, que voulez-vous que je fasse, Maluretan? Il n'existe que deux clés pour ouvrir cette mine. Bénard en garde une dans notre manoir. L'autre est en possession du contremaître de la mine, Nox. Je veux que vous vous empariez d'une des deux et que vous inspectiez la mine. Non, parce qu'elles sont mal faites, les portes, c'est pour ça. Elles ont été mal conçues. Pour tout me raconter. Et je lui porte. Je vais voir ce que je peux faire. Le contremaître Nox se trouve quelque part à Balmora. Il devrait être simple de prendre la clé dans ses poches. Ou si vous êtes plus adepte du cambriolage, vous pouvez prendre la clé de mon frère dans son étude. Notre manoir se trouve au sommet de la colline, à l'ouest de la ville. Pourquoi n'avez-vous pas de clé de votre propre mine ? Mon cher frère préfère séparer nos rôles dans cette entreprise. Je respecte encore une fois les... Il dirige la mine pour avoir la lettre des finances. De machin, je sais pas qui, là. Il n'interfère pas dans mon travail, ni moi dans le sien. Voilà notre accord. Vous ne pourriez pas lui parler de vos inquiétudes ? Oh oui, mais Bénard ne veut rien me dire. Il ne parle que d'attirer plus d'acheteurs ou embaucher plus d'ouvriers. Il s'agace immédiatement dès que je lui parle de mes inquiétudes. Par exemple, pourquoi avons-nous besoin d'autant de mineurs ? Même les habitants commencent à en parler. Qui voulez-vous dire ? Vous n'avez pas entendu les rumeurs ? La mine maudite de Vassir d'Idanat. Voilà comment ils l'appellent. Ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. Des histoires de fantômes à bras cadabrantes. Mais si ces rumeurs persistent, elles pourraient ternir notre réputation. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il se passe quelque chose de louche là-dessous ? Eh bien, cela fait des années que la mine produit mal. Un moment, j'ai même pensé à la vendre, jusqu'à ce que l'ébène se mette à couler à flot depuis quelques mois. En temps normal, la nouvelle m'aurait réjoui, mais c'est à ce moment-là que Bénard est devenu distant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je recherche en particulier ? Tout ce qui sort de l'ordinaire. J'imagine que vous ne connaissez pas la différence entre l'ébène pure et... Bref, jetez un bon coup d'œil et évitez les ennuis. Si vous trouvez quelque chose de bizarre, rapportez-le. Vous semblez nerveux. J'ai de nombreux clients importants qui comptent sur le succès de cette mine. Ils me tiendront personnellement responsable si quelque chose cloche. J'aimerais éviter ce genre de situation déplaisante. À quel genre de résistance devons-nous nous attendre ? La clé ne devrait pas poser de problème. Mon frère est absent pour le moment et les gardes de la maison ne sont pas des flèches. Vous pourriez faire les poches du contremaître. En tout cas, évitez les miliciens de la ville. Et une fois dans la mine ? C'est là que les choses se corsent. La mine est bien gardée. Mon frère a insisté pour embaucher les mercenaires les plus brutaux et les plus irritables. C'est pour cela que je lui ai proposé la compagnie des chiens de fer. Ils sont très pugnaces. Vous voulez affronter les gardes embauchés par votre propre famille ? Je préfère éviter un bain de sang, bien sûr, mais je ne veux pas alerter mon frère. S'il manigance quelque chose, je veux pouvoir garder l'effet de surprise. De plus, ce sont principalement des criminels, des ivrognes et des drogués au Skouma. Ils sont sacrifiables. Oh ! Oh là là, les horreurs débitées par moments. Obtenir la clé de Bénard et obtenir la clé du contremaître. Oh la vache. Bon ben, il va falloir que je refasse la mission une énième fois parce que je n'arrive pas. Ah, courage, tu vas y parvenir, Dragon Sky. Voilà, je vais échouer la quête encore une fois, comme d'habitude. Faut que je recommence. Attends, le clé du contre-monnaie. Ah, c'est lui. On s'est déjà rencontré. Ah. Oula, c'est Steve Roy. Oui, dès que le garde me tourne le dos, je me mets en furtif et je le chip. Comme ça. Ah, vous n'êtes pas en position de voler à tir. Mais... pourquoi j'ai un œil sur moi ? Qui c'est qui me voit ?
quand même terrible, ça. Oh, détecteur. Mais non, personne ne m'a vu. C'est un mensonge. Ah bon, là, oui, là, là, le mec, il me fait face. Il peut pas regarder ailleurs. Là, je peux pas commettre mon méfait. Hein? Un con à la boisson. Oui. Il a dit un con. Allez, bouge de là. Comme le chantait MC Solar. Non, maintenant c'est le garde classique qui me voit. Mais non, mais... Passez votre chemin. Ah merde, il a bougé ce con. Et ben voilà. Je crois que je vais réussir à accomplir ma quête. Il est complètement parce que j'ai suivi jusqu'à la trace de la personne en question. Oui. Moi, j'ai réussi à dérober la clé de la mine dans la poche du contremaître qui était fortement imbibé. Le pire, c'est que j'y suis parvenu sur la place publique. Alors que tout le monde me tournait le dos. Ah, un peu d'action. Oui, je dis pas non. Allez, vilgredin, viens. Nien. Chiquipou. Les conseils, Iris veut juste retrouver sa fille. Est-ce que le message que vous avez reçu m'aidera à arriver? Ah, il est mort, le chien Ligo. Il m'a donné deux pièces d'or. Mon Dieu, je vois un truc qui... De quoi parle ce message dans ce cas? Qui c'est qui m'attaque? Ah, c'est un archer, c'est pas possible. Il y a un mec sur la hauteur qui arrive à me patater. Il est où, ce con? C'était... Ah, c'est lui. À qui passez-vous cette information si vous n'êtes pas en contrat avec Veya? Ouf, il a pas aimé mon attaque. Oh 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 oh! Je lui ai fait déguster de la glace, mais alors en pleine face. Il a pas aimé. Je vais faire preuve de persuasion. Oui, tu peux. Oh, comment je l'ai biffé à distance avec ma glace. Je suis trop fier. Je suis trop fier de l'affront que je lui ai fait subir à la miss. Oh, elle est morte à distance. Je suis trop fort. Vous ne pouvez pas lutter contre moi, village Tico. Ça y est, je parle comme Andariel dans Diablo. Oh là 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 là, je m'amuse comme un petit fou. Bon, ils sont pas fut-fut, hein, les gardiens de la mine. Ça va, hein, c'est du menu fretin, là. La 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 la, troublion chien de fer. Oh, il a récupéré de la vie, le loustique. Et moi aussi. Alors, attendez, je vais récupérer après mon... Encore que non, je peux peut-être le faire maintenant, lui il est... Il est occupé à autre chose, il est retenu à sa bon, position. C'est... Je vais te rejoindre ta fameuse mine. Oui, je t'en prie. Fais donc. Alors, recevoir ensemble d'objets anneaux de santé. Oh. Ah, j'ai acquis 2 points. Magie, je vais faire beaucoup de sorts. Ouais. Je vais...
Alors, niveau suivant, 3 pierres d'âme. Oh, gentil cadeau, les pierres d'âme. Ce serait intéressant. Parchemin d'expérience. Hey, coucou, je suis là. Oh mon dieu, Dragon Sky. Oh mon dieu. Oui, aïe, aïe, il se passe des trucs là. Oula. Je me suis pris un coup alors que j'étais dans le menu. Ah oui, t'as lancé la bataille. Non, mais t'as bien fait. J'ai Spotify qui s'est encore fait tout seul. Pas pourquoi. La puissance de mon attaque en boule de glace, j'ai trop aimé. Ouais. Oh, j'ai trop bien comment j'ai explosé. Tiens, regarde, déguste mes boules de glace. Oh. Au niveau suivant, je voulais choisir le parfum directement dans votre bouche. Peut-être une clé. Mais t'as réussi à voir comment la clé. Comment dire? Alors, il y a deux personnes qui ont la clé de la mine. Il y a je sais plus qui et il y a l'ivrogne sur la place publique qui est je sais plus le responsable de quoi qui il est tellement pimpette que quand il a le dos tourné et que personne te regarde t'as vite fait de, avec 50% de chance de vol à lui prendre la clé sans qu'il s'en rende compte donc merde je, où est-ce que je vois mon truc merde là, j'ai pas je peux pas revenir sur la quête je peux plus te dire qui c'est désolé. Parce que oui, du coup, tu vas pas me suivre dans les mines, c'est ça le problème, c'est que t'as pas la clé. T'es coincé à l'étape précédente. Tu veux que je t'accompagne pour t'aider à trouver la clé? Ouais, ouais. Alors attends, je ressors de la mine et je vais t'aider à shipper la clé. Ça va être rigolo de devoir essayer de voler à la tire. Retourne en Balmora. Les deux intéressés se trouvent à Balmora. Mais le plus facile, c'est l'ivrogne qui est sur la place publique. Alors, ou alors tu me suis si tu veux. Là, je te vois faire le foufou dans le sky. T'es en mode parade, t'es en train de te la péter à nouveau. À chaque fois, je me trompe de bouton. Mais tu t'excites pas sur ton pupitre de commande. Tu fais tout à la fois, malheureux. Mais j'arrive plus à faire des essais comme tu fais, toi. Oh, je suis attristé de l'apprendre. Attends, la ville. Non, la ville est par là, merde, je sais plus. Alors, l'ivrogne, c'était lui, l'ivrogne, je crois. Mais non, c'est les mecs de la guilde. Non, c'est l'autre place, je suis un idiot. Je suis un idiot, c'est au niveau du pont. Est-ce que tu arrives à me suivre, là? Merde, je suis des... Ah oui, c'est bien, c'est ça. Oui, je suis au pont. Tu as raison, roule à d'avant. Ah, ah, c'est beau. Moi aussi, j'ai fait du judo. attendez. Ah! Je coupe à travers champ, c'est, je deviens fou. Oh, quelqu'un part à cheval, c'est la classe. Pas courant les chevaux, on me ruine. Alors, l'ivrogne, il est où? L'ivrogne, il est où? Alors, pour moi, il était là. Alors, vu l'heure, il est peut-être parti dessoulé. Merde, t'as pas de bol, Dragon Sky. Oh merde! Je crois que j'ai une compétence, ouais. Ouais, dans ton menu, tu demandes la quête en question et t'auras dans ta boussole en haut de l'écran la flèche à suivre. Attends, parce qu'il faut que je la supprime, la compétence. Ah bon? Bonjour madame. Ah, un autre membre de notre organisation. C'est dans ces moments que j'aime le plus la guilde des guerriers. Excusez-moi, madame, je ne suis point de votre guilde, mais je veux bien marchander avec vous si vous l'acceptez. Hic, bah l'arc, oui non, je tirerai pas. J'ai pas envie de tirer à l'arc. Moi. La la la. La commande. Tatati, bâton de rétablissement vulnérable, bâton. Oui, le bâton de foudre, il est pas mal. Non, bah c'est mon bâton. Je vais pas le vendre. Ceinture. Oui, la mienne, elle est niveau 4. Oui, bah je peux vendre les ceintures. Ça aussi, je vends. Pour elle, ça n'a pas de valeur. Les jambes de fer. Oui, non, mais j'en suis équipé, je crois. Ah non, je ne suis pas équipé. J'ai un truc de niveau 1 alors que j'ai le truc de niveau 4. Merde, il faut que je m'équipe mieux, moi. En même
ça j'ai pas mis. Oh, j'aurais dû. D'accord. Bon bah c'est bien, j'ai vendu des trucs. Alors mon inventaire, bougez pas. Armure. Gants artisanaux. Voilà, c'est mieux. Ou jambes de fer de niveau 4, ou alors entraîne ajoute une santé maximale. C'est pas mal d'avoir une santé maximale plus importante. Décide hein, pour le je sais pas le poivreau, je sais pas quoi là. Oui, quoi? Le livrant dont on fait la clé. Oui. Dis-moi tout. Pour la clé. Mais pour la clé. Oui, pour la clé, tu veux savoir quoi? Quelle est votre question, monsieur Dragon Sky? Oui, pour avoir la clé de la mine. Oui, il y a deux personnes que tu peux voler. Est-ce que tu les as trouvées? Tu les as pas dans ta boussole? Je les ai pas du tout. Alors, c'était bloqué à l'étape précédente de l'aventure. Attends. Bah là j'ai aucune idée parce que j'ai fait maximum de quêtes hein, mais non il y a un problème quelque part, il y a un truc que t'as merdé, c'est pas possible. Attends, comme le sang d'une pierre. Oui mais t'as plus le même nombre de quêtes que moi je suis plus loin. T'as pas une quête qui s'appelle comme le sang d'une pierre? Le sang d'une pierre, attends. Comme le sang. Le sang d'une pierre. Le sang d'une pierre, ouais. Attends. Comme le sang d'une pierre. Pack de jeu, Gardenfield. Non, je l'ai pas du tout. Rituel, la sixième maison. Je l'ai pas du tout, la quête là. Oh, je sais plus comment t'aider mon pote Dragon Sky. Et parce... en rapport avec une pierre, c'est la pierre mémorielle. Non, c'est autre chose ça. C'est pas la même quête. La piste expire dans 30 jours. Ah, j'ai un mois pour suivre la. Oh, le côté addictif du jeu, la vache. Oh non, il y a des quêtes qui vont sauter avec moi. Les résultats de la méthode Daguet trouveraient cette table décorée. Aussi belle que fascinante, une merveille admirée loin des yeux des ordinateurs. Type de limite de meubles, meuble traditionnel. D'accord. Ah, j'imagine à quoi elle peut ressembler la table de rituel de la sixième maison. J'ai ma petite idée, il y a peut-être les cloches qui vont avec d'ailleurs. Tige Zwemer résinée. Vendre un marchand contre de l'or. Cette antiquité se trouve à. D'accord. Oh. Intéressant. Waouh, et ma bibliothèque du savoir. Ah. Découvrez le mystère de la mine. Ah. Les Zwemer, il y a 16 bouquins. Comme le sang d'une pierre, ça y est, je l'ai. Ah bien joué, Dragon Sky, vas-y. J'avais pas parlé au PNJ pour avoir la quête sans question. Et voilà pourquoi. Parfois, je la mets à jour. Oh, les bouquins existaient déjà à l'époque. Le sang d'une pierre. C'est troublant. Voilà, ça y est. C'est bon, j'ai mis à jour. C'est bien, vas-y. Donc là, tu dois voler la clé sur l'un des deux qui la possède, on est d'accord? Ouais. Ah, bien. Là, c'est vas-y. Bon, ils m'ont indiqué le marqueur. Donc, moi, je te conseille, celle qui m'a été facile, c'est de dépouiller l'ivrogne sur la place du village. Voilà, vas-y. Je t'attends sur le côté. Je regarde pudiquement le paysage pour dire que je regarde pas ton vol à la tire. Je ne suis point témoin. Je distrais le garde. Bonjour, monsieur. 50% parce qu'il y a un garde. C'est ça. 75%. Oh, les châssis et les marais. Il y a un garde. Escalabé à champignon. Champignon mignon. Bon, tu me dis quand tu auras fini, moi je regarde dans mon menu les 14 milliards de trucs encore que je peux y découvrir. Ça fait peur. Et bon, je l'ai eu à 75% de chance. Oh, t'es un chef, moi je l'ai eu à 50. C'est bien. Personnage, aucun raccourci.
points de caractéristiques disponibles. Vous avez des points de caractéristiques disponibles. Ah, j'en ai encore de disponibles. Ah, j'avais pas validé. Un indice que je peux déverrouiller la mine, c'est bon. Je vais. Ah, on y va ensemble, magnifique. Magnifique. Cliquez sur les paramètres du conseiller pour choisir les archétypes. Blablabla. Un champ de fleurs. Ah, ça y est, je peux le faire. Oui, je veux faire le champ de fleurs. Oh, magnifique. Compagnons animaux, bon bof. Encore la nuée plus tard, ça va me plaire. Cap de gibier. Je prends un raccourci, je vais pas m'embêter. Vivant arctique, ce sera au niveau 20, oui, c'est donc bien plus tard. Les armes, bâton de rétablissement, ça m'intéresse. La génération. Partage les énergies créatives de bâton pour soigner. Niveau 14, niveau 20, niveau 38. Ouais, c'est pas mal. À garder sous la main. Le monde, l'escroquerie. Oh, quelle horreur. Magie des âmes. Ah, compétence active. Capturer l'âme. Oui. Quoi, frappe à l'âme? Magie des âmes, tenir en 6. Brûle un ennemi depuis l'intérieur dans un feu d'âme. Quelle horreur. Oh, 26 000 de dégâts en 5 secondes. Oh la vache! La combustion spontanée. Oh la violence! Waouh! Culturel, compétence de breton. Opportuniste. Là, je suis à l'intérieur de la mine, si tu me cherches. Augmente ton gain d'expérience. Armure légère. Ah, il faut que je m'habille en armure légère, comme je le fais. Don de Magnus. Augmente votre magie maximale de 825. Nécessite un point de compétence. Ah, c'est intéressant. Ah, si tu me cherches le sac, tu es à l'intérieur de la mine. Ah, je vais t'y rejoindre. Attends, don de Magnus, oui, j'augmente ma magie là. Oh la vache. Les bonus accordés à la compétence passive sont permanents. On ne peut plus besoin que dans la barre de raccourci. Ah ouais, non, mais le don de Magnus qui augmente à 825 ma magie, c'est juste complètement pété. Oui. Je peux la mettre là, comment on fait? C'est automatique peut-être, non? Le don de Magnus. Et artisanat. La couture, la qualité des recettes, enchantement, machin. Oh, je suis content! Je suis content, j'ai fait le don de Magnus. Bon allez, je te rejoins dans la mine, faut que j'arrête de gagater. La mine, elle est là-bas, la mine. Ah, j'ai nos ennemis qui vont faire mauvaise mine. Non, c'est par là-bas. Oh mon dieu, je suis complètement largué. La 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 la. Je saute de joie. Waouh. Je suis dopé en vitamine. Et au joli soleil, là. Onde positive. Oh, t'as du poisson un peu partout, hein. Du poiscaille. La 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 la. Allez, on retourne repatater les vilains. Parce qu'on aime ça. Oh, invasion totalement gratuite. Ah, merde, il m'a fait tomber, ça va pas. Bien joué, il m'a mis un coup dans les pattes alors que je reculais. Rrr. C'est la guerre, thermonucléaire. La 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 la. Ah, j'ai compris comment je peux le soigner avec les champignons. Mm-hmm. Quick. Oh, elle avait 7 pièces d'or. C'est mon plus gros butin jusqu'alors sur une dépouille. Ordinaire. Oh, je me tape un délire. Oh, pas mal le lanceur de couteau là. Il m'a bien eu. Aïe. Attends. Ah, salopard. Il m'a tiré à la flèche dans le dos. Ah, le bruit d'un. Qui est tombé comme un caca. Je vais te rejoindre dans la mine.
Comme dirait la chef man, caché ou pas caché, j'arrive. Youhou. Ah, glouglou, faut que je boive pendant l'écran de chargement. Oula, c'est déjà chargé. C'est vraiment tranquille, c'est facile à faire. Si tu le dis. Une note sanglante. Ne laissez personne lire cette note. Méfiez-vous même de nos camarades. Nous devons abandonner. Nos vies valent plus que l'argent. Vous ne l'avez pas encore vu de... Quoi ? Vous ne l'avez pas encore vu de... que de ce que j'ai vu. Il parle de nous renvoyer dedans pour essayer d'arranger les choses. Et croyez-moi, il ne paye pas assez pour un boulot pareil. Le problème, c'est que Rétan dispose de véritables royalistes dans nos rangs. Ils nous tueront si nous tentons de fuir trop tôt, mais j'ai un plan. Lema arrange les escouades et choisit la route. Et nous nous séparons des autres, puis nous fuirons. Si ça va aussi mal qu'on le dit, ils penseront simplement que nous sommes morts. Et nous chercherons même pas. Et nous pouvons toujours trouver du travail ailleurs. Ce courrier mesquin. Oh, c'est pas piégé. Ah, une caisse à fouiller. Oh, du gingembre. J'en boirais bien du gingembre. Ça fait longtemps, c'est bon. J'ai besoin d'avoir quelque part une boîte de gingembre en poudre sec, lyophilisée, là. Oh, une rose. C'est tonifiant, le gingembre. Ça pique. Comme du citron. À quoi il joue, lui, en mode ninja, là. Enfin, bref, il y en a qui ont des vies passionnantes. Papapa, pipalipala. Non, ce baril est vide. Mais il joue à cache-cache ou c'est moi? Ah oui, ce sont des vilains, c'est vrai. Là, là, j'adore faire des petits glaçons. C'est ma passion. Oh! Poussière viridienne. À tout prendre. La 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 la. Oh, ça jette un froid. Il est bizarre son chien. Enfin bref. Alors, il meurt le. Oh, j'étais trop loin, là. Je le touchais pas sans le savoir. Bâton de rétablissement mirage jusqu'au rang 5. Ah, oh, chez chaque est bon. Pourquoi ce gaz mauve? Ah ouf, je prends des dégâts, punaise. C'est vraiment un très mauvais gaz. Mais pourquoi? Oula, attends, j'ai fait un roulé-boulé dans le gaz, moi je suis fou. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh vache! Le tir multiple de l'archer, je me suis laissé impressionner. Ah, je gagne une expérience. Arc en érable. Ouah, avec un peu de chance, je le vendrai à bon prix. Qu'est-ce que... Ah mais merde! Qu'est-ce que... Ravageur? Mais quelle horreur. Il y en a des choses en Morrowind durant l'ère secondaire, ça fait flipper. Oh mon dieu. Tant de choses à visiter. Ouais. Y a pas quelque chose de caché là-dedans? Ah non. Ah, il y a un petit sac. Oh, il y a de la menthe. Waouh, Diplo, c'est pas ce qu'il a loupé.
Il y a de la momente. Ah, que j'essaie de faire un thé tout à l'heure. Parce que j'ai de l'eau et de la menthe. La 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 la. Mais pourquoi ce gaz? Il manquerait plus qu'il y ait un coup de grisou. Parce qu'il y a beaucoup de gaz. Oh, je l'ai cryogénisé. Je suis pas peu fier de cette attaque. Aïe aïe aïe, les gaz font bobo. Attends, mais il y a rien. Qu'est-ce que... C'est tellement peut-être étrange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, il y a des choses intéressantes sur le comptoir. Je regarderai plus davantage sur le retour. Oh là là. Oula, 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 attention. Oh, laboratoire d'Edric. C'est son nom, je l'ai niqué. Au fin fond de la mine. Tu arrives au fond de la mine. Eh bien, tu as touché le fond, Dragon Sky. Avoue-le. Goulou, goulou. Goulou, ça, celui-là. Ah, je suis trop loin, ça compte pas. Ah ah ah! J'adore provoquer mon ennemi à distance. Oula. Oh, ceinture de cuir brute vigoureuse. C'est pas beau. Pourquoi il y a des trucs à fouiller là? Ah, du ragoût. Nourriture gâtée. De la boisson. Oh, du vin. Du pain, du vin, du bouchin. Ah, il y a une lettre. Maître Rétan. Ah merde, j'ai peut-être loupé un courrier sur la précédente table du coup. Vous serez satisfait d'apprendre que votre plan se déroule à merveille. Enfin, peut-être pas à merveille, mais de façon satisfaisante. Le dernier groupe d'ouvriers est arrivé hier. Ils étaient un peu emportés et revêches. Mais la promesse de quelques drakes supplémentaires les a stimulés. Ils devraient bien faire l'affaire. L'alchimiste que vous avez envoyé, un certain Gavros, s'est mis au travail dans les ruines d'Aedric. Vous devriez le voir à l'œuvre. Je n'avais jamais vu autant de flacons et de brûleurs depuis que je trafiquais de Skouma. Il dit travailler sur une modification de la formule. Vous devriez lui en parler. Dans son laboratoire, l'air est aussi épais que le gruau de ma tante. Oh oh oh. Contre Maître Nox. Ah oui, celui qui est devenu alcoolique, là, dont j'ai volé la clé. Ah ah. C'est tellement ironique. Burp. C'est tellement ironique. Ah la juge me fait. Oh là, c'est horreur. Voilà. Mort. Je sais pas ce qui se passe ici. Ça va, tu t'en sors Dragon Sky? Ouais ouais. Oh, je trouve des choses dans cette mine. Oh, petite caisse. Et vous avez perdu le contrôle. Out of control. Out of control.
Oh, soins généralisés peuvent à présent évoluer. Je dis oui. Je dois faire quelque chose de particulier ou c'est automatique? Je crois que c'est automatique. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. J'ai le quête, je sais pas quoi, blablabla. Ah, 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 je me fais baffer alors que je suis dans mon inventaire, c'est scandaleux. Formule mystérieuse. Ce parchemin est tracé d'une série de caractères complexes dans une langue dont vous ignorez tout. Et moi, j'ai trouvé du citron. Ah, du citron, il y en a partout. Hein. Ah bah, c'était mon premier citron, là. Excuse-moi du peu, mais... Oula, comment il s'est téléporté l'ennemi? Il m'a fait flipper. Oula, oula, lui, c'est plein de poison. Ah. Oula, 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 oula. Ouais, attends, je me redonne de la vie là, parce que ça fait... Je me redonne de la vie. Ah, je suis dans la salle d'ascenseur. J'ai bientôt ressortir de la mine. Dans la mine, dans la mine. D'ailleurs, je pourrais presque faire furtif parce que s'il y a des pièges. Ah ah. Je provoque l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a? Du café, j'ai trouvé. Plutôt du café. Eh oui. Ah, ils sont passés par là, oui. Donc il y a un chemin qui m'échappe. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Augmentation de la graine guérisseuse au rendu. Oh, épée de fer. J'en tirerai un bon prix, je crois. Oh, qu'est-ce que c'est que ce semblant de tel? C'est intriguant. Alors, croissance fongique peut à présent évoluer. Oh là, le bordel. Je sais plus où j'en suis. C'est le bordel, c'est le bouxon. Il y a des champignons géants encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais la mine, elle est immense. C'est bien, il y a un petit réchaud. Je ne sais même pas par où aller, tellement qu'il y a de choses à faire. Oh là là, les poches de gaz sont redoutables. Oh, attention, attention, ils sont nombreux les saletés. Ah, merci du coup de mort. Merci, c'est apprécié. Merci, compagnon de voyage. Alors. Ah. La, 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 la. Oh, les sigles d'Oblivion. C'est bizarre. Une urne qui cache des cendres. Coucou, je suis là. Oui, coucou. Je suis troublé. Oh là là.
Oh oh oh, on est bien sur le côté là. Joli. Oh, bouclier en érable. Sympa. Eh bien. Ah, merci pour la santé. Avec le petit champignon mignon. Ils ont dit qu'ils ont été pétrifiés sur place. C'est troublant. Non, c'était pas une urne. Ce reste un piège. Mmh. Oh la vache. Non, celle-là, la suite. Ouais, 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 non, mais j'ai essayé de voir si je pouvais pas provoquer à distance les ennemis. Pour les trucider à distance. Oui, une étagère, effectivement. Ah, les sages-femmes sont vrais. Oh! Oh 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 oh! Ça en jette! La déco est bien pensée. Vache. Oh, des bibliothèques, toujours et encore de la lecture. Tuer le troll. Oh mon dieu, il y a un peu de ça aussi sur Twitch. Ça parle mal. Les sources de la formule. Oh le. Papi, papa, la pomme. Oh. L'étrange endroit. Le laboratoire d'Hydric. Qu'allons-nous découvrir dans ce lieu interdit? Mouahaha. Sac. Ah, une rose dedans. Oh, Roger, ah, les notes de recherche de Gavrose. Sujet K14. Alors que le chien était parti pour me marcher dessus, monté sur la table, il a failli me faire une léchouille en plein visage. Sujet K14, mort d'un traumatisme crânien quelques heures après que les mercenaires l'aient attaché. La formule lui a été administrée, mais la transposition a échoué. Confirmation de l'hypothèse. La pression sanguine doit rester correcte jusqu'au tout dernier moment. La mort avant la perfusion ne donne qu'une transposition partielle. Cela explique certains échecs précédents. Un puissant sédatif pour éviter des morts prématurées. Besoin d'essais supplémentaires. Sujet R52. Transposition parfaite. La méthode au goutte à goutte semble bien plus efficace en termes de rendement et de pureté. Malheureusement, la durée de la procédure en est fortement augmentée. Pardon, j'ai mon carillon qui sonne les 17h. La durée de la procédure en est fortement augmentée. Le rendement pourrait être insuffisant pour une utilisation commerciale. Il faut aller plus vite. Sujet S24. La conversion de la formule liquide en vapeur plus simple que prévu. Les résultats sont prometteurs. Les sujets exposés à la vapeur ont montré des signes de transposition immédiate. Malheureusement, la procédure a plongé le sujet dans une frénésie violente. Besoin de liens plus robustes que pour les essais suivants. Alors, sujet S24, addendum. Le sujet est encore vivant malgré une transposition parfaite. Cela contredit toutes les études et les calculs. Augmentation significative des comportements erratiques et violents. Suspendre les expériences jusqu'à élimination de cet effet secondaire. Eh ben dis donc, c'est pas joli joli tout ça. C'est pas joli joli. Alors, la ville vérité de Barbas. Ah oui, ville Cavdicus et Barbas, oui, c'est un chien et son propriétaire inséparables. Oh là là, que d'histoire avec ces deux-là. Oh la vache. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
en train de dégueuler en bouffant de la bouffe invariée. Besoin de surveiller. Ah bah bravo, si tu trouves le moyen de faire vomir ton perso. Oh, j'ai trouvé du miel. Lotus. Oh. Il y en a les choses. Oh mais c'est du délire. Ah oui, je suis de l'autre côté du truc. D'accord. Oui, je vois que tu me suis. Ah, satané gaz. Ah, le dit Gavros qui avait noté les... Ouf. Gardez à faire suite, tu m'étonnes. Oh, une boisson. Waouh. Ah, un bouquin. Maxime, dirigeant de Septidatarn. Prudence dans la pratique. Whirling et tumulte. Oh. Okidoki. Oh. Matos d'alchimie. Oh, est-ce que je suis, je m'amuse à danser. Attendez, mon inventaire est plein. Oh, ajoute à la vigueur maximale, dis donc. Ah oui, il faut que je le prenne celui-là. Moi qui m'amuse à faire de la musique. Ouais, c'est bien, c'est cool. Ah, du fin. Quoi ? Le coffre. Un croquis. Ah. Utilisé pour apprendre la recette. Ah merde. Faudrait vraiment que. Que j'arrive à réduire mon inventaire. Ah, réduire, enfin, vider mes poches. Allez, mène un peu du tambour. Maximum augmenté de 700 pendant 35 minutes, le temps de recharge, machin. Ah, le plat de légumes. Ben voilà, je mange ça. Oh. Ben oui, délicieux breuvage. Donc, j'avais un plan à prendre. Voilà. Un croquis. Croquis que j'apprends maintenant. Ou pas. Ah merde, alors c'était automatique, non? Bah, pourquoi je vois pas le croquis? Ah non, Nashaman m'a dit que c'était tout en haut les nouveautés. Oui, c'est ça. Voilà, je la prends. Et bah voilà. Maître Fabien. J'ai juste fait bien de la flûte. Oh, tu joues du pipeau. Ouais. C'était dans les émotes. T'es bien? C'est stylé. Dragon Sky, le seul chevalier qui arrive à jouer du pipeau avec le home sur la tête. Voilà. Ne me demandez pas comment qu'il fait. Oh, ce repas, une salade verte. C'est ça qui est bon. Ah. Bon, bref. Ouais, assez d'amusement. Non, sympa, tu peux continuer. De toute façon, j'ai pas parlé à l'intéressé qui est devenu fou, je présume.
Allez, parlons-lui. Ou... Attendez, il y a sa couchette avec son plumard derrière. Non, il n'y a rien d'intéressant. Ah si, il y a le baril. Ah, algues, j'ai pas. Mon inventaire est plein, je peux pas prendre. Raison, tant pis. J'aurai l'occasion de me promener en bord de mer plus souvent plus tard. Je sais bien que c'était un joueur de flûte. Tu m'étonnes, Nash. Je ne vous avais pas reconnu. Vous avez commis une tragique erreur en venant ici. Le sentez-vous ? Ce courant froid dans vos veines, cette raideur dans vos articulations, cela ne devrait plus tarder. Dites-moi ce qui se passe ici. Vous ne vous en doutez pas. Vous êtes encore plus buté que ces monstrolithes. Maître Rétan m'a fait venir pour étudier un texte d'Edric, une formule destinée à transformer la chair vivante en une substance semblable à l'ébène. Pas identique, mais presque. Et vous en avez perdu le contrôle. Plus ou moins, mais quelle importance. Je serai bientôt solide comme un roc, noir comme la nuit. Je ferai partie des meubles. C'est plutôt ironique en fin de compte. J'imagine que vous vouliez faire une poche. Dans le se trouve ici. Prenez-en soin. La fortune se paye toujours au prix fort. Mmh. Ah là là. C'est une quête pas commode. Il n'y a donc aucun remède à cette affliction. Aucun. Enfin, je n'ai rien découvert en tout cas. Sans fausse modestie, s'il y avait un remède, je l'aurais déjà découvert. Vous abandonnez alors ? J'imagine que je pourrais passer mes dernières heures à chercher un remède, mais je suis un alchimiste, un spécialiste des draps. Nous ne gaspillons pas notre temps avec le concept d'espoir. C'est tout juste bon pour les prêtres, les enfants et les simples d'esprit. Alors, pourquoi avez-vous accepté ce marché ? Quoi ? Contaminer tous ces mineurs ? Oh, épargnez votre outrage moral. Ce n'était que des rebuts, des ouvriers trop paresseux ou ignorants pour trouver du travail ailleurs. Au moins, ils furent utiles à quelque chose. Eh bien, ça parle mal. Vous n'avez donc aucun regret ? Aucun. Je m'échauffe un peu. De m'achever. Fais des sports. Mais étant donné que je serai bientôt mort, cela n'en vaut pas la peine. C'est la bestiole qui m'interrompt. Comment avez-vous été infecté ? Pourquoi vous en préoccupez ? Bon, écoutez. J'ai altéré la formule pour transformer la décoction liquide en vapeur. Ce fut très efficace, mais hélas, quasi impossible à contenir. D'où ma condition actuelle. Urvouir. Ah. L'heure, c'est l'heure, Nash. Salle des ascenseurs. Ah ouais. D'accord. Oui, ça ramène au début du donjon. Ah, malin. C'est pour ça que j'avais redescendu rapidement juste en bas. Ouais. Pour te rejoindre. Coffret à bijoux. Oh, une pierre de sang. Sauf que mon inventaire est plein. Quasiment plein. Bah, 60 emplacements, 60 de prix. Hein. Moi, j'ai 48 sur 60, donc ça va. Ouais. Parchemin mystérieux. Prendre. Votre inventaire est plein. Ah non, pour les quêtes, ça compte pas. J'ai trouvé un 61e emplacement. Je dirai pas où il est. Ah mon dieu. Bon, ben on peut sortir de la dite salle qui était énigmatique. Avec le gaz de poison. Qui nous transforme en ébène. En ébène. C'est quoi toutes ces caisses ? Oh mon dieu. Oh, coffre à bijoux. Crochet. Ah, le poison.
La poison qui fait vomir. Bleh. Le poison. Oh, magnifique, cet ascenseur. Ah oui, c'est parfait. Et ça te remet à la sortie quasiment. Bah oui, non mais c'est très bien pensé. Je dois avouer que c'est parfaitement parfait. Chibidi, chibidi, bidi. Pouvez-vous me contacter ? Message. La la. Non. La 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 la. Pourquoi ne pas parler ici ? Attends, là, franchement, le document, non ? Ah non. Je pensais pouvoir interagir avec, mais. Hic. Par les amerlures, la 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 la, par les amerlures. Gigigigigi, le trolleur de la chanson. Je suis à la guilde des mages du gay de Davon. Pas mal le coup qui m'a asséné. Hache de fer, je n'ai plus de plage. Merde. Da da di di da di di du. Encore que je trouve un marchand. Troublion chien de fer. La 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 la. Mais est-ce que je peux avoir ma petite chambre de 3 mètres carrés à Balmora? Moi je serais bien content moi. Comment on fait pour avoir ce petit chez soi? J'achèterai 3-4 caisses et j'y mettrai tout mon inventaire de débutant. Eh, hey, tu t'es bien battu, c'était stylé. J'ai bien aimé. Marché. Ah oui, le vilain. Oh, magnifique. T'inquiète pas, j'envoie des petits dragons volants quand c'est des archers. Yeah. Ah, je vais tous les coups. Parler à l'intéressé. Ah, et content de vous voir en un seul morceau. Alors, avez-vous appris quoi que ce soit? En alchimie du don de Gravo, je transformais les mineurs en une sorte d'ébène factice. Hein? Quelle histoire terrifiante. Quand je pense que mon frère fut capable d'une telle horreur. Nous devons faire vite. Avez-vous trouvé la moindre preuve? Il me faut quelque chose de concret pour convaincre les barons du commerce des Lahalu d'intervenir. Voici la formule d'Aedric utilisée par Gravo. Oui. Bon travail. J'ai une dernière tâche pour vous, si vous êtes d'accord. Je dois porter cela au baron du commerce, le conseiller Revet. Il se trouve actuellement à l'auberge de Balmora. Hélas, Bénard a de nombreux contacts en ville. S'il apprend que je dois voir Revet, il essaiera sans doute de fuir. Que voulez-vous que je fasse? Rendez-vous au manoir Rétan et arrêtez Bénard. Une fois que j'aurai expliqué la situation à Revet, il enverra des gardes de Lahalu pour récupérer mon frère. C'est la dernière chose que je vous demanderai. Promis. Eh bien, vous ne saviez vraiment pas ce qui se passait à la mine? Vous croyez que je savais que les hommes que j'ai eu tant de mal à recruter servaient de cobayes à une expérience maléfique? Absolument pas. C'est scandaleux. Pourquoi vous aurais-je envoyé enquêter si je savais déjà tout? Vous dites que vous êtes préoccupé, enfin occupé du recrutement. Avez-vous embauché Gavros? Oui, sur demande express de mon frère. Une histoire de livres et de parchemins de valeur découverts dans le sanctuaire. Nous avions l'intention de les vendre une fois traduits par Gavros. Enfin, c'est ce que je croyais. Attendez, Gavros est encore en vie? Il est mort, tué par sa propre formule. Je vois. C'est dommage. Mais c'est le risque à courir lorsqu'on crée des décoctions infâmes et qu'on empoisonne des ouvriers. Combien de temps prendra votre réunion avec le conseil Raivet? Pas longtemps. Il est plutôt abrupt. Dès que je lui aurai expliqué la situation, il ne perdra pas de temps et fera empoisonner Bénard. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Ibi. À votre avis, que va décider le conseil concernant Bénard? Ils vont le punir sévèrement. Il va sans doute perdre sa part du domaine et de la mine d'ébène. Il pourrait même y laisser la vie. Dans tous les cas, je devrais m'occuper seul du fardeau des affaires familiales. Eh ben dis donc.
Ah, je vois que tu bookines Dragon Sky, ça va, tranquille. Ouais. Trop stylé. Bon, j'aimerais savoir où est-ce que je peux acheter un petit meublé, là, ou même pas. Maison, ouais, ça serait bien. Louer un appart en Balmora, je serais un homme heureux. Oh. Déjà la journée m'est heureuse d'avoir pu redécouvrir cette ville magnifique qui dans l'air secondaire. Ah, oh, Balmora, mon amour. J'adore cette ville. Alors. Oh, c'est Pui. Pui, Pui, Chekyo, Pui. Oh mon dieu, crabe champignon. Oh. Vous savez, je suis né à Estmarche. Je ne suis venu à Vardenfell qu'après la formation du pacte. Mais dès que j'aurai gagné assez d'or, je pars pour Orsinium. C'est toute une cité pleine d'orques. Vous imaginez? Ah oui, je la comprends. Ok, oui, ma vie, c'est la terre de ses semblables. L'aubergine est chaleureuse. Ah oui, c'est une maison de passe, la carrière. Ouais, vive Orsinium. T'es vachement enthousiaste, Nash. Attends, il faut que j'aille là-dedans, moi. Non, vous êtes sérieux? Oh! Alors, l'ordinateur, le guide complet. Ah, intéressant. Ah oui, t'es un orc. Ah oui, je comprends mieux, effectivement, Nash. Aubergiste. La maison l'a lu. Des gens tout à fait merveilleux, tous honnêtes marchands. La maison Redoran, courageux et noble. Une lignée vraiment exceptionnelle. Je ne gagne rien à dire du mal de ma clientèle. Rien du tout. J'aime beaucoup la dernière réplique. Bon alors, magasin. Attends, moi je vais d'abord vendre mes trucs si je peux lui vendre. Essence élémentaire, vendre un marchand comme... Ah bah c'est, voilà, c'est parfait ça, oui je vends. C'est une vendue, bah oui tu m'étonnes. C'est une vendue poilue. Ouh, tout réparer ça va me coûter cher. Oula. Attendez, c'est après la réparation. Je me servirai pas d'arc. Bâton. Alors les bâtons je peux les garder par contre, ça m'intéresse les bâtons. Bouclier en érable je m'en fous. Pardon, je parle mal. Je m'en moque. Ninanana, bon là ça je peux la revendre. Ça je vais garder sur moi. Dague de fer, je la vends pour 0. Dague d'exilé à de mairie. Ouais bon bof, même mon bâton de glace fait plus de dégâts. Épée de fer, ah niveau 5. Ah off, mon bâton de glace fait presque autant de dégâts. Ouais, bon, elle le faisait à une main, mais moi, tant pis, je suis magicien. Gingembre, non, ça je vais garder. Ça je vais garder aussi. Jambe de fer. Lié quand équipé. Non, bah, non, c'est des lourdes. Je vais les vendre, tant pis. Je préfère le mien avec des propriétés magiques. Pas plus adapté à la pêche de rivière. Ah oui, c'est vrai. Faudrait que je m'amuse à la pêche, tiens, ce serait pas mal. Salade verte, vigueur maximale augmentée de... Oh, intéressant la salade. En 35 minutes. Oh la vache. Oh le bordel. C'est le bazar, c'est le boxon, c'est le bordel. Ah, le vin me fait récupérer de la santé. Oh la rigolade. L'âge de fer. En fait, il faut se doper. Quand tu sais que tu vas entrer dans un donjon, dans un lieu de baston, il faut vérifier ton inventaire, prendre la bouffe, la boisson, tu fais un bon repas avant et après tu vas en découdre. Parce que tu as des bonus pendant une demi-heure. Le temps de la digestion, c'est... Bon, c'est un concept. Pourquoi pas. Alors, attendez. Racheter, non. Réparer, certainement. Tout. Je vais tout réparer pour 29 pièces d'or. Oui. Voilà, c'est très bien. Mon matos, c'est en état. Alors, acheter, qu'est-ce qu'elle propose, la madame? C'est pas comme si j'avais 5600 de pièces d'or. Un pas simple, des crochets.
Gorgé de blablabla. Nécessaire de réparation. De réparer les objets n'importe quel niveau, mais moins difficile que ce jeu de niveau supérieur à 30. Ouais. Mmh. Autant demander à un artisan de faire le boulot pour toi. Une piste. Piste d'antiquité. Ceci vous permet de mener des fouilles pour l'antiquité. Carte antique de Vardenfell. Cette antiquité se trouve à Vardenfell. Nécessite le succès éclair de Morrowind pour acheter. Ah, un jour viendra. C'est bien pensé, j'apprécie. Comment cool. Une pomme, tranquillement. Ça va, tu aides madame. Qu'est-ce qu'il nous fait, Dragon Sky? J'ai cru un moment que c'était monsieur, tu vois. Wouah, il est fou. Bravo, cela devrait nous aider à savoir ce qui est arrivé au frère. Bon, allez, je sors de là parce que... Attendez. Trouver Bannard au manoir. Oui, non, mais je me suis trompé de barque, il est pas là l'intéressé. Bah non. Je sais pas pourquoi j'avais une icône rentrée dans ce... Enfin, au moins, j'ai fait la connaissance de la commerçante. Ça m'arrange bien. C'est le nouveau stagiaire. Ouais, c'est ça, Christella, complètement. On m'en parle pas. Nouveau stagiaire. Aïe, aïe, aïe. Oui, je sais pas, j'ai un curseur qui me dit d'aller vers là. Mais ça va être une autre quête, à mon avis, non? Attendez, mais que me dit la carte? Je suis perturbé maintenant. Oui, ça c'est le temple. Auberge d'un chameau. Ça c'est... où est trouvée la fille du conseiller? Porte du marché, marchand de guide. Tadadada. Le magistère. L'oratoire. Un guide des guerriers, la compagnie des chevaux de la rivière, caravane vers... oui, d'accord, voyage vers Vivec et... Ah, on pourrait prendre la caravane, dis donc, pour aller directement à Vivec. Ah. Oui, il faut passer par une espèce de tour. Ouais, il y a une blessure qui t'amène à Vivec. Oui, chasser des marais, ouais, c'est pas con. C'est pas con. Là, je l'avais trouvé, l'espèce de tour. Bah, elle est pas loin, elle est juste à où. Oui, je vois de quoi tu parles. Attends, je fais le point dans mes quêtes parce que je sais plus où j'en suis. Trouver Benet. Là, on fait la quête comme le sang d'une pierre. Bah oui, mais il est où du coup, Benard? Il est dans son manoir, mais il est où ce manoir du coup? Je suis perdu. Attendez. Dylan dit va rafraîchir des pierres mémorielles, invitation à moi. Comme le sang d'une pierre. Attends, quand je change de quête, ça change mes indicateurs? Mais non, ça ne les change pas. Ah, il est un peu plus loin, ça... son manoir. Ah, je te suis. Apparemment, tu connais le chemin. Ouais. Vas-y, je te suis. Je fais ça à chaque fois. Allez, hop. Cours pas courir parce que pour éviter que je vais trop vite. Non, ça va, j'arrive à garder le rythme. Je t'ai encore à vue. Effectivement, ça vient d'apparaître seulement dans ma boussole. Ou alors j'avais du caca dans les yeux jusqu'à ce qu'on sorte de Valmora. Encore plus, c'est plus aussi clair que ça. Oui, je te donne raison. Je te donne raison. Ah oui, c'est l'édifice en face. Bien vu, Dragon Sky. Oh merde, il y a un orage. Alors, on va se le payer l'orage tout à l'heure, je le sens. C'est le risque. Bonjour, bonjour Litrika. Il fait yo le sage dans mon chat. Bonjour Litrika. Bah oui, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça y est, on est arrivé au manoir. Oh mon dieu. Oh. Oh, un tueur à gage. Oh, un assassin. Ah, la dernière pièce du pont. Fini ton ventre. Oh, laissez-moi vous jeter un froid, madame. Bon. On maîtrise les arcanes de la magie, la vilaine. Il faut la maîtriser. Oh, comment je lui ai flanqué une énorme boule de glace dans le bas du rein. Waouh, ça l'a achevé. Ouh, une cuirasse en fer vital. J'ai presque accompli, restez vigilants. Si nous voyons la chance, la peinture dans le... l'objet ouais. Que j'ai engagé éliminera le reste des abominations de pierre. Bon, recommencer. Cette fois sans Bernard pour peu compliqué à régler des questions. En suspens, rassurez-vous qu'il ait l'air d'être
et enterrer, entretuer, il faut que cela trompe le conseiller. Parce que vous avez fini, retrouvez-moi à ma résidence de Balmora. J'aurai d'autres instructions pour vous et votre premier paiement, comme promis. Ce sera une entreprise lucrative, cher ami, ne faites pas défaut. M. Signé M. Merci d'avoir lu la note rédigée par Mathieu Chédid. Non, je déconne. Je dis n'importe. Ah là là. Du coup, faut retourner. Il faut retourner à la rencontre du consul. Le rencontre. Arrête de faire cette bêtise là, d'activer des espèces de glace là. Oui, je te suis. Oh. Ah. La tati, la tou, la titi tou, li tout tata. Ah! On croise des gens, ça fait peur. Coucou, je suis là. Merde, je vais peut-être. Faut pas que j'attaque un civil, sinon je vais me faire. Mettre à l'amende. Question, comme bonne marque de podcast, vous me conseillez quoi? Oh. Alors là, Nachevman, je te répondrai hors antenne, parce que les références, je les connais pas par cœur. Je pourrais. Après que j'ai pas beaucoup essayé le mien, là, que je vous ai exhibé il y a pas longtemps, où je vous ai conseillé informatique pour le coup, là. Et j'ai le mien qui est excellent, qui m'a été conseillé par l'ami Zex de Citron. Si tu veux un bon micro de radio, si j'y pense ce soir, je t'envoie un rapide MP, je te donne les références de mon micro, Nash. Ah. Oh. Ah bah, c'était l'aubergiste de tout à l'heure. Attendez. Vous avez mentionné Malheureux Rétan, vous devez être le conseil de Ravet. Oh, je suis vieux, moi je m'assois. Je suis en train de regarder, je posais la question à chaud, c'est pour ça. Ah oui, je comprends, Nash. Ouais. Vous ne semblez pas m'apporter à boire. Et vous n'avez donc rien qui ne m'intéresse. Je doute que Malur vous ait raconté toute la vérité. J'ai trouvé ses ordres sur un assassin envoyé à mes trousses. Oui, vous êtes le conseiller. C'est exact. Le jeune Malur et moi parlions du succès soudain de son entreprise de minage, obtenu notamment grâce à des irrégularités qu'il vaut mieux ne pas mentionner. D'ailleurs, cela ne vous regarde en rien. Qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous des affaires des Lahalu? Oui, je doute que Malheur vous a raconté toute la vérité. J'ai trouvé ses ordres d'un assassin. Vous ne promets rien, d'ailleurs. Pourquoi ne pas capturer vivant? Eh bien, c'est accablant. Ah, non, moi, c'est avec du fil, Nash. Certainement pas du sans-fil. Ainsi que sur le vôtre. C'était un coup subtil, mais mal élaboré. La maison Lahalu ne peut pas se permettre de voir éclater un tel scandale, et j'ai horreur qu'on me mente. Tuez Malur, et je vous récompenserai. Je suis un Igo. Avec un peu de chance, la référence de mon micro, vous pouvez la voir maintenant dans le chat. Faites point d'exclamation matos. Non, mais j'ai vu les prix, je vais rester avec le câble. Oui, bah oui. Je crois que vous avez la référence de mon micro, si je l'ai bien renseigné. Avec elle qui commence enfin pour l'Itrica. Voilà, un Samson Météor version je sais plus combien, parce que je vois plus, j'ai une autre fenêtre par-dessus le chat. C'est ça, c'est un Samson Météor que j'ai, qui m'avait été gracieusement conseillé par Dragon Sky, j'allais dire. Zex de Citron, que je salue. Je suis ultra satisfait du micro. Je ne me sépare plus du micro, d'ailleurs tous mes directs depuis le début, depuis le premier jour. Vous m'avez grâce à ce micro et c'est un pur régal. La qualité sonore est exceptionnelle. Et je l'ai payé 100 balles. C'est un très bon investissement. Moi, je t'attends juste dehors parce que pour qu'on puisse suivre le fameux gain. Oui, pardon, je finis les dialogues. Oui, j'ai traîné avec mon chat, excuse-moi. Je ne vous promets rien d'ailleurs, pourquoi ne pas le capturer vivant? Pourquoi faire? L'enchaîner à un poteau? Sa vie n'est plus d'aucun intérêt pour la maison Lahalu. Un étranger comme vous ne peut pas le comprendre, mais sachez que ce doit être fait. De toute façon, il ne vous laissera pas le choix. Où puis-je trouver? Sa ville de résidence, je pense, de l'autre côté de la rivière.
Faites vite. J'ai hâte d'en avoir fini avec les frères Rétan. Malheur, vous a-t-il donné le parchemin ? Non. Quel parchemin ? Ne me dites pas qu'il y a encore d'autres mauvaises surprises. Ce parchemin contient une formule pour transformer les gens en fausses pierres d'ébène. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Pas un mot de tout ceci à quiconque. Si Malheur a la formule sur lui, apportez-la moi. Je vous promets une récompense substantielle. Nous ne pouvons pas laisser cela dans la nature, ou pire, entre de mauvaises mains. Nous sommes par terre tranquillement, on est en train d'attendre. Très bien, que faire la maison à Alu concernant cette situation ? Par les trois. Voilà, c'est son dernier dialogue et j'arrive. Je vais charger des hommes de confiance de s'en charger. Si nous réussissons à faire le ménage, elle sera peut-être utilisable. Sinon, nous ferons tous effondrer. Un imbécile pourrait facilement tomber sur les folies de Malheur. Je me sens par terre comme un idiot. De courir le risque. Allez, ça y est, je vais pouvoir te rejoindre. J'ai fini les dialogues, Dragon Sky, sois rassuré. Non, l'autre il prend la pause, ça va, tranquille. Je sais plus ce que je vois. Oh l'autre, comment qu'il se la pète. Bah, tu prenais le temps, donc c'est pour ça que je m'assois. Ah, je vois ça, non mais t'as bien fait. Je pourrais pas. Hein? Bon, bref. Je plaide coupable, monsieur, pardon. Brr. Non, on est pas mal, tiens, vas-y voir qu'on pousse côte à côte. Entre les conneries de plongeons que tu touques, les plongeons, laisse tomber. Ouais. Attends, j'essaie de me prendre en photo côte à côte. Oh, on est beau! Oh, avec le moins carlate derrière, je te regarde, plein d'admiration dans le regard. Oh. Ah, c'est trop rigolo. Bon, on y va, je te suis, au lieu de faire des âneries. Ouais. Bon, bah, on y va. Ici, parti. Avec nos compétences de fou, on va tuer un gars. Alors, normalement, il me dit que c'est au-dessus. Ah ben, oui, ça va être au-dessus, c'est quelque part là. Et alors... C'est bizarre. Non, trompé. Ah. Je me suis trompé de chemin. Pipi, 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 pipi. Moi, c'est là, je vois le curseur. Ah, ma gueule. Je vois le curseur blanc. Yeah, je vois le curseur blanc. Voilà. Voilà. La maison de Rétan. Youhou. Allongé. Coucou, on rentre. Mmh. Allez, n'oubliez pas de boire de la flotte régulièrement, hein, comme vous souffrez de la chaleur. Il est en dessous. Voilà. C'est beau, on entre comme des fous furieux, mais on prend pas le temps d'admirer la déco. Oh! Des bouquins à lire. Oh! Comment avez-vous? Bah, je vais en finir moi-même. Mon dieu! Que signifie cette RX? Attaque spéciale, boule de glace, dans ta gueule. J'ai l'impression qu'il apparaît l'attaque, mais ça va pas. Il a fini sur le lit. C'était un con. Il est parti gelé. En poussière. Oh, dague de fer ardente. Ah bah, ça, avec ça, ça n'a pas suffi de le réchauffer. Oh, il mangeait... que mangeait ce monsieur? Alors, de la viande avec des carottes, des pommes de terre petites et des petits pois. Pas mal, plat équilibré, j'avoue. Alors, la voix des Barandari. Ne calomnie jamais un autre enfant. Mais j'ai déjà lu ça. De la farine, des pommes, de la boisson. Oh ouais, je me nomme là. Oh, c'est beau tableau de cascade. C'est beau. On fouille un peu partout. C'est beau. Fouillez le sac. Oh, les algues. Ah, je récolte enfin des algues. La fois précédente, je n'avais plus de place. C'est un jeu. Ça semble être un jeu. C'est un jeu de Zwemer ou je... Bon. Oh, une chaumière. Oh, de la guarana. Elle est bonne, celle-là. La guarana. La guarana, c'est l'équivalent végétal... c'est l'équivalent végétal de la taurine. C'est qui est dans les boissons énergisantes. C'est la substance active des boissons énergisantes. La guarana. Du jasmin. De la combline. Une bibliothèque.
Oh, et infusion de rose. Un trompe-l'œil en fenêtre. Pas mal, pas mal du tout. C'est astucieux. Ah, un bouquin que je ne peux pas lire. C'était le journal intime Salas du monsieur. Ou peut-être était ses mémoires. Oh, une commode. Oh, du stélite dans la commode. C'est un miroir, oh mon dieu. What? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, pourquoi il y a eu de la glace? C'est assez. Oui, c'est moi qui ai invoqué. Putain, tu m'as fait peur. Je me trompe de touche à chaque fois. Désolé. Il m'a foutu des jetons. Je me trompe de touche. Oh, ça arrive, ça arrive. Ah bah, heureusement, ça nous inflige pas de dégâts. Oui, mais on peut plus que ça, pas de malheur. Eh, hey, il y a plein de mouffes ici. J'ai appris à fabriquer une infusion de rose. Oh, faut que tu m'en fasses goûter. Bon, j'en ai marre de faire cette technique-là. Oh, je vais faire de la cuisine bientôt. De la levure. Merde, j'ai plus de place. Ah, mon inventaire est déjà plein. Mon inventaire est déjà plein. Quoi? J'ai activé un petit truc pour la vue de compte sur Kik. Oh mon dieu, Nash, qu'as-tu fait? Faudrait que tu nous présentes ça dimanche soir. Je ne sais plus ce que je lis. Aile de papillon. Ensemble d'objets. Glyphes, machin. Non, mais il faut vraiment que je m'achète, que je me loue un appart avec 3 caisses comme premier objet là, parce que je vais cumuler des trucs et je peux pas avoir mon inventaire sur moi tout le temps comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible! Ou alors il faudrait que je fasse de l'artisanat cuisine, mais sur place là maintenant, comme je suis dans une cuisine, mais. J'ai plus de place, non! Je suis en train de bouffer de la bouffe là. Non. Et j'en trop sur moi. Si tu bouffes de la bouffe, moi je vais boire de la boisson. Ah. Oh, oh, des tomates. Non, j'ai plus de place. Attends, comment je provoque la chimie? Il faut une cuisine, non? Personnage. Compétence, journal. Collection, carte, groupe, ami. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai des notifs? Non, j'ai rien. Compétence. Oui, non, donc Manu, c'est vachement bien. Artisanat, cuisine. Et schmout. Alors, accumuler les recettes et utiliser les ingrédients pour préparer de la nourriture et des boissons. Amélioration des recettes. Bon, par contre, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est pas grave, faudra tester. Ah oui. Qualité des recettes. Permet d'utiliser les recettes normales, les vertes. Je me dis toujours pas comment je fais pour faire de la cuisine. Je manque de magie, tu nous dis, oh mon dieu. Journal. Oui, non. Attends, merde, comment je fais ma cuisine, moi? Faut arrêter de faire cette technique, hein. Ah, pardon. Consommable. Un repas fortifiant en couronne. Oh, c'est démoxyde, c'est une magie maximisation de vision. Pendant 2 heures. Oula. Les effets s'adaptent à haut niveau. Temps de recharge 5 secondes. Voilà, c'est énorme. Matériau. Oui, merci Christelle, à honneur vôtre. Oui, pardon, j'ai éternué comme un pout. Blé. Comment je fais pour faire de la cuisine? Il me faut un établi de cuisine. Il me faut une cuisine équipée, non? J'adorerais faire de la cuisine. C'est où que je peux faire ma popote? Tu le sais, Dragon Sky, ou pas? Non. Ouais, je veux faire la popote. J'aime bien. Sniff. En virtuel comme en vrai. Alors, en termes de nourriture, pour la cuisine, j'ai des algues, j'ai du millefeuille, j'ai 4 blés, 3 cafés, 3 citrons, 2 cols de poisson, 3 comblaines, une farine, une gingembre, 2 ginkgo, d'une zingue, j'en ai 2,
jasmin, j'en ai deux aussi. 3 légumes verts, 3 levures, 3 lotus, 2 de menthe, du métégline, du millet, six pommes, 6 de riz, j'ai une rose, j'ai 3 de seigle. Yimi, Shebao. Non, j'avais. Mais non, j'avais déjà lu ça. J'avais déjà lu. Oh, il y a un luth. J'avais même pas vu. Bon, bah, on peut sortir de sa baraque au vilain. Ouais, comment on fait pour acheter ou louer un endroit où je puisse crécher à Balmora avec des caches dedans, que je puisse y ranger mon matos. Ouais, comme ça, ça permet de rester tranquille. Ah oui. Alors, dis se retrouver auprès du conseiller de machin chouette là. Oula. Pour voir le conseiller. Tu vas vite. Attends, je te suis. Ah bah, on va retourner dans l'espèce de bar. Ah oui, l'espèce de bar, on va dire ça comme ça. C'est une maison de passe, on va pas se voler la face. Enfin, on va dire que c'est la maison des plaisirs. Doucement, c'est terminé. Maluretan est mort. Eh bien, cette triste histoire touche à sa fin. J'ai déjà envoyé certains de mes meilleurs agents pour faire le ménage au manoir Rétan. Nous allons nous occuper du logis de Malure, puis ensuite du mien. Beau travail. Bon. Qu'en est-il de ce mystérieux parchemin ? Je l'ai ici même. Excellent. Mieux vaut me le donner. Quelque chose d'aussi dangereux ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. La maison Lahalu peut le garder en sécurité, voire le détruire si nous l'estimons nécessaire. Cela vous permettra de gagner les faveurs de la maison. J'irai même jusqu'à doubler votre paye. C'est vraiment un artefact dangereux. C'est tentant. Ouais, parce que dit, j'irai même jusqu'à doubler votre paye. Ouais, j'irai répondre moi que personne ne doit posséder cela et je détruis le parchemin devant lui. Espèce de sale petit svit. Connaissez-vous la valeur de... Peu importe. Ce qui est fait, est fait. Mais c'est énervé. Un sou de plus de ma part, désormais. Vous aurez votre dû pour la mort de Malure, comme convenu, et pas un drac de plus. Mieux vaut que vous considériez cet argent comme le prix de votre silence. Accomplir la quête. Vous recevrez un marteau de pierre noire de la Vierge guerrière. Ouais, level up. Yes. L'inventaire est plein. Bon, bah plus tard. Non, non, non. Level up. J'ai atteint un nouveau niveau. Youhou. Il y a une serveuse. Il y a quelqu'un qui est cuistot. Ding dong. Bonjour, monsieur le cuistot. Votre or est le bienvenu. L'autre, il a une formule pour la clientèle. Quoi ? Une coureuse ? Ah oui, j'avais oublié que c'est cela une devrait nous aider de... à savoir ce qui est arrivé aux frères de Veya. Ah, Drevis. Oh, c'est quelqu'un qui a fait un rototo. Oh. C'est pas dans le Discord, hein. Je vous rassure, c'est dans le jeu même. Attendez, vous êtes une de ces personnes que la maison Redoran paie pour harceler des citoyens ordinaires. Il y a des cochons ici, bon. Là, donc. Veya veut simplement savoir ce qui est arrivé à son frère. Dommage que la maison s'en fiche comme d'un svit. Le conseiller Rhys veut juste trouver sa fille. Est-ce que le message que vous avez reçu m'aidera à y arriver? Alors tu sauras qu'à l'étage, il y a quelqu'un pour la quête de la fille perdue, là, disparue. La têtue. Veya ne veut plus rien avoir à faire avec la maison ou son père. Vous ne pouvez donc pas respecter son choix? Même si je voulais bien vous aider, je n'ai pas vu Veya depuis qu'elle a quitté la ville. Nous communiquons par message et celui-ci ne parle même pas d'elle. De quoi parle ce message en tout cas? Si vous voulez tout savoir, cela concerne le chemin d'expérience à couronne. Il était officier dans la garde de la maison avant de disparaître. Toutes les sources vont avoir 50% de points d'expérience supplémentaires dans 2 heures. Oh. Sa durée représente le temps de jeu ne diminue pas lorsque vous êtes hors ligne. À qui passez-vous cette info si vous n'êtes pas... J'attire un parchemin que gagne 50% d'XP bonus. Il passe les messages. Ouais, c'est sympa. Nous le rencontrons généralement en dehors de la ville. Et ça décompte pas si je suis en ligne. Je vous souhaite bonne chance pour lui extorquer. Je vais regarder ça, Anna, je bouge pas. À
Ashur n'a pas une réputation de bavard. Je sais faire preuve de persuasion. Je crois que c'est nous faux. En avons fini, non? Je vous ai dit où trouver Ashur. Il transmet nos messages. Alors, à Veillard. Bah maintenant, c'est la quête. Faut aller chez Ivec. Hein. À moins que ce ne soit votre moyen de m'épargner un voyage, puisque vous allez dans le coin. Alors, comment connaissez-vous Veillard? Balmora n'est pas si grande. La plupart des fils et filles des chefs de maison et des riches marchands se connaissent bien. Veillard fait partie des nôtres. Il est encore dans l'auberge. Pour l'aider à retrouver son frère. Attends, je crois que je peux lui parler la suite des quêtes après. Attends, je vais aller dans le menu pour faire le groupe. Alors, c'est quoi que tu m'as demandé? Une invitation de groupe. Attends, c'est pas les courriers entre joueurs, non? Envoyer. C'est dans social. Oui. Nashevman. Ah, invité en groupe, c'est ça? Seul le chef du groupe actuel peut le faire. Oui, je sais pas qui c'est le chef. Vous avez invité Yeshgar dans le groupe. Ah, rejoins-le. Ah si, c'est toi le chef. Voilà, c'est bon, il y a Nash qui les a rejoints. Je t'invite, Dragon Sky. Apparemment, c'était pas fait. Ah, et tu fais déjà partie de mon groupe. Ouais, je te fais partie de ton groupe. Merci, je sais même plus qui entre, qui sort. J'enverrai une invitation. Le Brian Nash qui les a rejoints. Hein? D'accord. Ah oui, non, mais je suis perdu. Moi, je t'en prie, Nash, même. Ah, attends, oui, parce que celui qui est le chef, il a la couronne. Mais comment tu vois que j'ai la couronne? Moi, je me suis même pas vu couronner. Ah, moi, je le vois, moi. Ah c'est oui, logique. Mais je me vois pas moi, donc... Ah oui, parce que je suis en tête du truc, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Et quand le leader ne voit pas sa propre couronne, bah, il est en haut de la liste. C'est-à-dire, c'est lui le chef. D'accord, ok, j'apprends un truc. Je comprends mieux. D'accord. Et pour les autres joueurs, ils voient la couronne. Ah oui, ça y est, je vois ma couronne. Chef de groupe, ok. D'accord. Oh. Il a invoqué son compagnon Nash. Oh. Et Nash qui nous a rejoint. Attends, mon rôle à moi, c'est plutôt les soins. Voilà. Que je me déclare dans le bon truc. Moi, je suis soin. Alors, attendez, je continue les dialogues avec le PNJ parce qu'il avait beaucoup de choses à me dire sur la nana capricieuse. Je crois que nous en avons fini, non? Je vous ai dit où trouver Ashur. Il transmet nos messages à Veya, au nord et à l'est, hors des murs de la ville. À moins que ce ne soit votre moyen de m'épargner un voyage, puisque vous allez dans le coin. Bah tu sais les couronnes... Pardon, je lis Christelle dans le chat qui me dit est-ce que t'as une vraie couronne en coiffe. Ce de fortune, tu sais, la chandeleur, là, la galette des rois. Je dois en avoir une quelque part, peut-être même deux. Mais c'est vrai que j'ai pas mis ça dans ma boîte à chapeau. Mais à l'occasion, oui, je pourrais vous proposer de porter bêtement la couronne des rois, oui. Oui, c'est pas idiot, Christella. Surtout que là, en plus, si je prends le truc de la couronne des rois toute bête des galettes, comme c'est très léger en carton, là, je pourrais la porter maintenant, même avec la chaleur, ça passe. Donc, il faudrait que j'essaie de mettre la main dessus dans les prochaines heures. J'ai peut-être rangé ça quelque part, par chance, je verrai. Donc, je m'adresse à Drevis, le personnage dans le jeu. Comment connaissez-vous Veillard? Balmora n'est pas si grande. La plupart des fils et filles des chefs de maison et des riches marchands se connaissent bien. Veillard fait partie des nôtres et nous ferons tout pour l'aider à retrouver son frère. Vous ferez tout pour Veillard? Oui, dans les limites du raisonnable. Et Veillard ferait de même pour nous. Voilà pourquoi nous l'aidons. C'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, dites-moi en plus sur le frère de Veya. Je ne vous dirai rien, Larbin Redoran. Elle ne sait pas, persuasion. Il n'a pas fini de me parler. Je le crois bougre. Que nous en avons fini, non? Je vous ai dit où trouver Ashur. Il transmet nos messages à Veya, au nord et à l'est, hors des murs de la ville. À moins que ce ne soit votre moyen de m'épargner un voyage, puisque vous allez dans le coin. Mais pourquoi j'ai dit ce gars de la maison Redoran?
Vous croyez que je vais vous raconter tous vos secrets? Il y a Nash qui s'amuse à faire le fou de sa trompette. Aucune chance. Je ne trahirai pas Veya. Bon, il m'en dira pas c'est plus. C'est quoi ce petit machin là? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une espèce de télégramme. Comment ça, j'ai sorti ma trompette? Dis Nash. Oh mon dieu, cet escalier. Oh. Je vais parler à la serveuse. Vous avez soif, vous. Asseyez-vous et je m'occupe de vous tout de suite. Oh. C'était quoi le bug là? Il arrivait à jouer du luth en tenant à une main sa hache à double tranchant en même temps. C'était très très fort. Là il a de la force dans le poignet. Hein. Ça fera un joli clip. Ah mon dieu, tu m'étonnes que t'as vu. C'était assez étrange. Bon, au secours, c'est où qu'on trouve un endroit à louer, que je puisse acheter trois caisses et mettre mon inventaire dedans, s'il vous plaît? Je dirais rien là-dessus. Amalia. Ah, oh, c'est une jolie nuit. Devant le mont Écarlate. Il faudra aller dans la capitale Vivec. Ah! Eh ben, si on y allait immédiatement à... Je connais un raccourci. Bah oui, le prout-prout des châssis des marais, là. Parce que là, franchement, j'en peux plus. Mon inventaire, j'explose, là. Parce que déjà, il faut que je retrouve le lieu en question. Les châssis des marais, il est pas si loin que ça. Ouais, le châssis des marais. C'est pas cette porte-là, par hasard? Ah, bouge pas, j'ai un truc, dit Nash. Ah bon? Attends, je vais rejoindre Nash Edman. Ah. Non, il faut que j'arrête de faire ça. Ah, il y a un banquier. Mais débouche pas, j'ai un truc, il a dit. Oui, 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 je sais pas, il va nous donner quelque chose. Hein? Oh, il fouille dans sa besace. Mais que fait Nash? Il fait un peu dans son sac. Peut-être un truc téléportation instantanée. Oh. Par magie. Pire que de la magie, pire que dans Harry Potter. J'ai pas compris Nash là, du coup je... Ah quoi, faut que je parle au banquier? Comment puis-je vous aider? Banque! Alors, banque de compte. Votre banque vous permet d'enregistrer des objets de tous les personnages pour partager. Appuyez sur F pour acheter davantage de place dans votre banque. Appuyez sur R pour déposer ou retirer de l'or. Oh, c'est intéressant, merci Nash. Les matériaux d'artisanat entreposés dans votre banque sont utilisables depuis les ateliers d'artisanat sans que vous fassiez transiter votre inventaire. Ah, oh, d'accord. J'ai augmenté mon espace hein, déjà de banque. Ah, bien vu. Il est portatif. Ah oui, c'est magnifique. Oui. Oui, attends, j'ai un tel boxon que... Un dépôt, ça c'est bien. Ah, je peux pas déposer de... Attendez, je vais déjà reprendre... J'ai déjà déposé un max de trucs. Tout ce que je peux pas me séparer dans l'inventaire, je vais les manipuler là, apparemment, parce que j'ai des boîtes à ouvrir, des boîtes à cadeaux. Et seulement après, je reviens refaire un retrait. Ah, débile olive. Oui, je découvre tes os, oui. Il me semble ne pas t'avoir vu dessus. Oui, non, je découvre totalement. C'est mon jour 1, là, Devil Olive. C'est très riche. C'est waouh. Faut s'accrocher. Alors, attendez, je peux pas tout déposer. Alors, bougez pas. Moi, j'ai des trucs à développer dans mon inventaire. La cantine.
Cantine est censée vous appartenir, vous ne savez pas. Alors, oui, une pierre d'âme, un arc, un bâton. D'accord, des crochets. Ok, je prends tout. Ensemble d'objets, anneau de santé. Anneau droit de l'âme brisée, anneau gauche de l'âme brisée. D'accord. Ok, ok. Alors, tant que je suis là, je vais me faire super plaisir. Je vais me prendre ma deuxième caisse. Moi, je la ferme maintenant parce que je pourrais mettre en banque ce qui m'intéresse pas et faire le tri. Donc, les caisses. J'en étais où? C'était là. Monsieur Kajit. Ma petite caisse, je vous prie. Pour l'instant, je l'ai lâché. Je vais pas au-delà de Somerset niveau extension, j'attends qu'il y ait plus tout en une seule fois. Oui, je te confonds au début, le livre, ouais, ouais. Non, puis c'est vachement chronophage. C'est magnifique, hein, mais alors... je comprends qu'il y en a qui pourraient y passer leur vie. Potion de triple restauration à couronne. Oh, très intéressant, breuvage de santé. Encore du poison. Non, mais je vais être l'homme au poison, ça, c'est un truc fou, là. J'en suis à mes 100... Ah, triple restauration encore une fois. Vous et encore du poison. Acheter une caisse à la boutique pour continuer, mon ami. Oh, j'ai de ces fioles. Oh mon dieu. Eh ben, bon bah c'est cool. Puisse la chance vous suivre. Alors, banque. Ah, j'ai trouvé la fameuse tour. Comme les Chidivec. Mais non, plus chronophage, tu meurs, c'est terrible. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, David Olive. Non, attendez, dépôt, que je dépose un max de trucs. Arc. Oh la vache, il fait des dégâts lui. Si je dépose un max de trucs. Ouais. Bâton infernal. Enchantement de dégâts physiques, augmente vos dégâts physiques et magiques pendant 5 secondes. Ah, c'est intéressant. Augmente l'expérience que rapportent les ennemis tués de 5%. Alors, braise d'aventurier oublié. Ajoute plein de vigueur. Non, les miennes actuelles sont meilleures, je trouve. Crochet. Oui, attends, les crochets, je les reprendrai. Pierre d'âme. Ouais, ça peut être intéressant. Repas fortifié en couronne, oui, ça je vais garder. Ça n'y produit un poison. Un ingrédient pour créer des objets de style rouge garde, d'accord. Anneau gauche, machin. C'est bien qu'on a un banquier parce que au moins ça aide à stocker des trucs. Hein. Oui, ça aide à stocker des trucs. Alors attends, maintenant, ce que j'ai mis en banque, qu'est-ce que je récupère? Je récupère mon bâton en érable, je l'aime beaucoup. Cire de modelage, oui, bah plus tard, je m'amuserai à plus tard à faire de l'artisanat. Je récupère mes 80 crochets. Oh, j'en suis à 80. Dague de fer ardente. Oh, je vais la garder encore un petit peu, mais à mon avis, je vais la revendre. Eau claire, eau naturelle. Non, je vais garder l'eau sur moi. Voilà, je consomme déjà les 18h. Ajoute de givre. Ah, un glyphe pour une arme. Ah, je vais peut-être attendre d'avoir une meilleure arme, je pense. Glyphe insignifiant vital. Ah. Oh, tu m'as envoyé un cadeau? Il y a des cadeaux qui tombent parfois, c'est mystérieux. Un petit cadeau qui est tombé. Je viens de voir un notif Steam. Oui, un ingrédient pour préparer des boissons. Hache de fer. Ouais, bah je vais la vendre. Ah ben merci, hein. Merci le sage. Ouais, je t'en prie. Morceau d'insecte. Ça c'est pour la pêche. La pêche, je la ferai pas aujourd'hui. Hein, tant pis. Je ferai de la pêche un autre jour. Il y a tellement de trucs à découvrir dans tes eaux que. Là maintenant j'ai envie d'aller voir Vivek. Et il y aura J'y testerai la semaine prochaine de ton cadeau que tu m'as offert. Oui, mais n'hésitez pas à me tenir au courant dès que vous voulez me faire des retours. Moi j'aime bien vous lire. Ce sera avec grand plaisir que vous me direz oh, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, etc. Oui, mais surtout faites-vous plaisir vous avant tout. Pierre caméléon à couronne, cet objet vous permet de créer des objets, d'accord.
Poison mortel. Vache, j'ai 125 fioles de poison. Oh oh, je vais devenir tueur en série. Arme empoisonnée, infligée 20 dégâts de poison par seconde pendant 3 secondes. Non, mais je vais le garder sur moi parce que j'ai tellement de fioles que je vais souvent utiliser le poison. Potion de triple restauration. Ça aussi, c'est pas mal. Si je suis dans la mouise. Oh la vache, ça me régénère instantanément. J'ai pas grand chose d'intéressant en termes de. L'objet, donc c'est pour ça que j'ai mis tout ce qui est pour la bouffe, tout ce qui est pour la cuisine, j'ai mis dans la banque. Ah, ouais. Oh la vache, j'utilise 50 des 60 emplacements de la banque. Mais c'est très bien, merci d'avoir invoqué le banquier, Nash, c'est merveilleux, merci tout plein. Bon, alors les chassés démarrer direction Vivec. Et dès qu'on arrive à Vivec, j'ose faire un énorme guac à ma commu. Puisque je couperai l'enregistrement pour en lancer un autre. Ah ah ah. Oh mon dieu. Tour de Carbonnier. Tu m'as suivi, Dragon Sky? Tu sais où c'est? Oui. Ah, merveilleux, tu es malin. Un banache aussi a suivi. Est-ce que j'étais tout à l'heure? Parfait. Attends, oui, je peux encore plus vite que mais ça ne le rend pas moins fiable que votre cheval ou votre goire. Si vous voulez aller quelque part rapidement, il va falloir vous faire une raison. Jusqu'à où va votre foulevase? Où est chassé des marais? Mon foulevase peut vous conduire soit à Gnisis, soit à Vivec. Le voyage est confortable. Ma créature est aussi douce qu'une brise d'été. Vivec! Téléportation. Ping. Bienvenue Vivec. À Vivec. Vivec! Vivec! Ah bah, vous êtes à côté de moi. Ah. Vous êtes pas très loin. Souvent parce que j'ai pris l'oratoire. Mm-hmm. Donc j'étais plus rapide. Okidoki. Mais voilà. Dommage, il fait nuit, Dinash. Ah. Ouais. Bah, de toute façon, le temps que je vais flâner, là, je pense qu'il jouait jusqu'à presque 21h. Et on verra le jour. Voilà, on arrive à Vivec et... Ah, oh, je suis vilain, je guaque ma commu. Ah, ah, ah. Parce que... Non, je veux rien dire. Là, mon Dieu, j'ai déclenché le chat du jeu. Alors, je vais rien péter. Je vais complètement OBS pour en lancer l'autre. Histoire d'avoir des bons morceaux de vidéos dans ouais. YouTube.